On a été interpellé à 5 heures du matin dans le cas de mariage précoce et forcé déjà consommé. Donc, on s'est précipité directement pour venir sur les lieux pour constater qu'est-ce qui s'est passé réellement. Et là, qu'est-ce qu'on a compris? On a rencontré une petite fille de 16 ans. Oui. Une fille de 16 ans qui a été donnée à un monsieur de 33 ans comme étant matériel sexuel. Je dis comme ça matériel sexuel parce qu'il n'y a pas eu de mariage entre les deux couples. C'est la famille du monsieur seulement qui est la famille de la fille, qui ont pris la fille et donné la fille au monsieur. Et la fille, elle n'est pas consentante non seulement, mais aussi elle est précoce, elle n'a pas l'âge, elle n'a pas de corps de 18 ans. Donc depuis lors, il y a eu un rapport sexuel entre eux. Mais comment ça s'est passé? Le monsieur et d'autres hommes aussi sont venus frapper la fille. La frappe, c'est qu'elle a accepté d'avoir un rapport sexuel avec le monsieur. Et là, on peut parler du cas d'un viol parce qu'elle a été frappée et maltraitée. Vous-même, vous avez vu le visage de la fille même. Le monsieur a frappé la fille. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait qu'ils sont venus aujourd'hui, ce matin, ici, à la PM3? C'est parce que hier, depuis 20h, le monsieur a essayé d'avoir un rapport sexuel avec la fille. Et la fille n'a pas voulu. Jusqu'à 3h du matin, il se battait dans la maison. La fille n'a pas voulu. Vous avez remarqué les marques sur son visage. C'est des coups qu'elle a reçus du monsieur en question pour avoir un rapport. Alors, à 3h, le monsieur lui a dit, si tu n'acceptes pas de coucher avec moi, le matin, je vais t'amener chez tes parents. Elle a dit, ok. Donc, c'est sur ce qu'ils sont restés jusqu'au matin. Au petit matin, à 5h du matin, le monsieur a commencé à trimballer la fille de chez eux, Madame Corniche, jusqu'au niveau de là où se trouvent nos jeunes, là, qui ont vu le monsieur en question. Donc, ils ont rencontré le monsieur. Le monsieur toujours se disait, c'est ma femme, donc j'ai le droit sur elle. Mais eux, ils ont pris la fille, ils ont amené la fille à la PM3. Et le monsieur lui-même, il est venu aussi. Il se présente lui aussi. Il est là actuellement, j'ai parlé avec lui. Et j'ai entendu aussi la fille. La fille dit que ce n'est pas son mari. C'est sur sa tante, elle était venue en ville. C'est sa tante-là qui l'a amenée maintenant à Matam, sur le monsieur, elle a resté avec le monsieur. Donc, c'est ce fait qui nous interpelle ce matin à la PM3 de Matam. Vous dites que le monsieur est âgé de 33 ans. C'est un certain âge. L'Ansana Fofana. Il voulait l'envoyer la fille à Forcaria. Oui, il trimballait la fille pour l'amener à la gare routière pour l'embarquer pour Forcaria. Maintenant, qu'est-ce que vous comptez faire après ici? Le dossier sera renvoyé au niveau. Maintenant, ce qu'on compte faire, on attend d'abord le chef de nos projets ici, parce qu'il dit qu'il est parti prendre son petit déjeuner. On attend qu'il vienne, qu'il ait l'audition d'abord avec les deux parties. Et après, parce que le dossier sera transféré directement au premier instance de Mafanko, parce que ça ne va pas se limiter là. Et le monsieur sera puni pour l'acte qu'il a commis. Mais si aussi ses parents aussi sont responsables de faire de la vie un matériel sexuel, de faire de l'esclavage avec la fille, traite des femmes, la famille aussi aura sa part de responsabilité et ils vont aussi assumer leur rôle, Inch'Allah. Est-ce que la fille là vous a dit que ses parents sont vivants? Oui, je lui ai demandé, sa maman est vivante, son papa est vivant. Ses parents sont très bien vivants. Merci. Merci bien, monsieur. Bonne journée.